j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec un vlog parce que ça va être une journée pleine de changements et qui marque en fait vraiment le début de l'année 2021. Déjà, je vais chez le coiffeur cet après-midi et j'ai très très peur. Donc ce matin, première étape, c'est d'aller me faire épiler les sourcils parce que ça va faire environ 2 ou même 3 mois que j'y suis pas allée. Alors j'ai limité les dégâts toute seule, mais autant te dire que c'est pas brillant. Du coup je vais à l'atelier du sourcil à Annecy. Je sais que c'est pas forcément une chaîne qui a très très bonne réputation, mais moi personnellement j'ai jamais eu de problème et j'ai toujours adoré le résultat. Donc je continue d'y aller tant que j'ai pas de mauvaise expérience. Et donc voilà, c'est parti, je t'emmène avec moi. Voilà, première étape, sourcil faite, ça c'est coché, on peut passer à la suite. Merci. Au revoir. Donc voilà, rendez-vous terminé. Premier rendez-vous terminé, donc voilà ce que ça donne mes sourcils, c'est encore un petit peu rouge et elle a un peu forcé sur le crayon, du coup ça fait peut-être un peu bizarre, mais franchement ça fait tellement du bien d'avoir les sourcils faits, je sais pas, moi personnellement je trouve que ça me fait un visage tellement plus soigné et propre. Enfin bref, et du coup sur le chemin du retour je me suis arrêtée à Sephora, à la base pour trouver un produit que je n'ai pas trouvé. Mais je suis quand même repartie avec des petits fossiles comme ça. Les fossiles, c'est pas forcément un truc que je mets hyper souvent, mais avec les fêtes et tout, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me manquait. Et du coup, voilà, j'ai voulu tester les fossiles, tout simplement. Et je me suis aussi pris un Subway pour le repas de ce midi. Tout simplement parce que j'avais envie d'un Subway, ça faisait super longtemps que j'étais pas allée. Et voilà. Donc, bref, on rentre à la maison et on va manger ce Subway. Et après manger, j'ai absolument voulu passer à Nocibé avant d'aller chez le coiffeur pour trouver un produit. Alors qu'en fait, ça m'a juste mis hyper hyper à la bourre. Ok, et ben on y est, rendez-vous chez le coiffeur. Je t'avoue que je suis hyper stressée parce que d'un côté je suis hyper contente parce que j'en peux plus de mes cheveux, là c'est plus possible et je sais que j'ai envie de me faire couper les cheveux. Et en même temps c'est toujours hyper stressant d'aller chez le coiffeur, surtout que la dernière fois que je suis allée dans le salon où je vais,
Enfin, je suis tombée sur une coiffeuse qui n'était pas forcément hyper hyper cool. Alors du coup, j'avoue que j'appréhende un petit peu. Normalement, ça devrait bien se passer. Je sais ce que je veux. Et donc voilà, quand faut y aller, faut y aller. Voilà, au même endroit, dans la même voiture, mais pas avec la même tête. Clairement, là c'est très bouclé, du coup ça remonte à fond. Mais franchement, honnêtement, je suis hyper hyper contente. C'est trop trop beau. Ça me va tellement mieux que mes vieilles queues de rat avec mon blond décoloré tout dégueulasse. Et en rentrant du coiffeur, je suis tout simplement rentrée. Et j'ai complètement oublié d'arrêter ce vlog. Du coup, pour me faire pardonner, je te laisse avec quelques images de ma journée du lendemain où je suis allée faire du shopping à Genève.